Bonjour les petits loups! Donc, je vais vous montrer mes achats. Aujourd'hui, j'ai trompé Edouard. Je suis partie à Lidl. Et c'est vrai qu'à Lidl, hein, quand on regarde bien, il y a des bons trucs. Bon, j'ai pas acheté grand chose non plus. Mais je vais vous montrer. J'ai fait Lidl et le point frais. On va commencer par le point frais. J'ai pris des pains hamburger, comme ça. Point grec, oh là là, wow. 3,10 euros. Il est vend 3,10 euros. Ensuite, des œufs, 2,99 euros. Ça, c'est un point frais. 2,99 euros les 30. Ensuite, des tomates, 1,69 euros le kilo. Ils sont les tomates. Ils sont là. J'ai pris des tomates. Des bananes, 1,29 € le kilo. Ils sont les bananes. Des bananes. Voilà donc. Ensuite, tortilla, 1,20 €. Par contre, c'est des petits. Je voulais des grands, mais il n'y avait pas. Bah, je me suis dit, je vais prendre des petits. On n'a pas le choix. J'aime pas les petits, mais j'ai pris parce qu'il faut prendre. Ensuite, j'ai pris 3,99 €. Non. 3, 4, c'est quoi 3,99 € liquide. Ah ouais, j'ai pris ça. Ça, c'est 2,50 € les deux. Bon, vous calculez, j'en ai pris 6. Les deux autres, ils sont là-bas. C'est sans sucre. Hein. Il y a ça. Ensuite, j'ai pris du jus. C'était 1,20 € au point frais aussi. J'en ai pris deux, comme ça. Voilà, ça, c'est bon. J'ai pris ça aussi. Langue d'oiseau, moi j'aime bien ces langues d'oiseau. Moi je prends les tout petits. 99 centimes. Et 1 kilo de semoule moyen à 1,85 €. Voilà. Ensuite, à Lidl. Ah oui, il y a ça aussi. 3,99 € 5 kilos de semoule extra fine. Ça, c'est pas cher aussi. Ensuite, ah oui. Et la salade à 1 €. Voilà. À Lidl, nous avons. Je vais prendre le ticket d'abord pour vous montrer ce que nous avons. Il est où le ticket, si je le trouve? Les 50 000 tickets. À Lidl, j'ai mis pour un total de 30 euros. 29,08 €. Ça, c'est Lidl. Et au point frais, j'en ai eu pour un total de 24,69 €. Bon, 25 €. Voilà. Donc, j'ai pris des bagues. J'ai pris du pain. Ah oui, par contre, à Lidl, j'ai trouvé les pains tortilla à 2,99 € les 12. J'étais contente. Parce que ceux-là, c'est les grandes. Voilà. J'ai pris aussi des frites allumettes, 99 centimes. Du chocolat blanc, 1,35 €. Baguette rustique, j'ai pris 3 baguettes rustiques à 59 centimes. Comme ça, hein, 3. Galette de riz bio, 82 centimes. Ça. C'est moins cher que Leclerc. À Leclerc, ils sont plus chers. Hein. Sucre en poudre, 89 centimes. 69 centimes, pardon. Des citrons, 1,29 € les 3 citrons. 1,60 € des bonbons tendres. Gaufrettes forêt, 1,99 €. Ce sont les gaufrettes forêt. 1,80 €. C'est ça les gaufrettes forêt? Non. 1,99 € le paquet. J'en ai pris 2. Ça fait 4 €. Ananas en tranche, 1,47 €. Je vais peut-être faire un gâteau d'ananas, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Quoi d'autre? J'ai pris ça. Ça, c'est combien ça? J'en ai pris 2 comme ça. Galette bio, 1 à 6. J'en ai pris 2 paquets, ça fait 12. Ils étaient à 82 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris. J'ai pris ça pour les manicures.
Voilà, on va essayer. Moi, c'est plus. Je vous dirai s'il est bien ou pas. Parce que je suis partie faire mes pieds. J'ai payé 32 euros, je vous raconte ma vie là. Et le mec, il avait juste un truc comme ça. Il m'a fait ça. Après, il m'a mis une pommade. Bon, dans ces cas-là, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Mais le problème, c'est est-ce que c'est puissant? C'est ça. Si ça vaut le coup ou pas, je ne sais pas. J'ai payé 5,90 €. Je vous dirai si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. De toute façon, je vais vous montrer maintenant si c'est puissant. Je crois qu'il faut mettre des piles là-dedans. Attendez, on va voir. Ah ouais, il y a des piles. Faut mettre des piles. Je vais vous montrer, je vais vous l'essayer comme ça. Si vous l'achetez, vous ne l'avez pas l'acheter pour rien. Parce que si c'est puissant, ça va marcher. Mais si c'est pas puissant, franchement, ça va pas marcher, je vous le dis. Hein. Parce que celui du pédicure, quand même, elle est puissante. Hein. Bon, je vous mets les piles et je vous dis sous ça les petits loups. Attendez. J'ai acheté ça aussi, 2,58 €, vous en avez 16, c'est pas mal, hein, c'est pas cher. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai mis le sucre avec le sucre hein, et les mélanges d'oiseaux avec mélanges d'oiseaux, c'est un peu le désordre. Et franchement, ça vaut le coup, hein. J'ai essayé sur mes pieds, ça, bon là c'est la main, mais sur les pieds, hein. En tout cas, moi, ça, regardez, je vais pas vous montrer mes pieds, mais ça. Ça marche. Bon, en tout cas, moi, je pense que je vais le garder parce que ça marche. Mais il y a un problème. Parce que les piles, ils tiennent pas. Ils ont du mal à tenir. Parce que j'ai eu du mal à les faire entrer. J'avais dû mettre du papier, mais là. Non, ça va. Ben, franchement, pas déçu. Ouais, ça va. Franchement, pour moi ça marche. Après cela, ça je sais pas c'est pour quoi faire, mais bon, moi c'est plus pour les pieds. Voilà, ça va. Bah oui, j'ai une tactique. Hein. Si vous voulez faire vos pieds, déjà faut prendre d'abord une lame. C'est ce qui m'a fait le pédicure. Vous prenez une lame, vous enlevez ce qu'il y a de gros, vous arrachez aux lames, et ensuite vous mettez ça, et ensuite vous mettez votre pommade. Mais tout doucement la lame. Hein. Juste vous grattez. Hein. C'est pas vous venez, vous mettez ça direct. Hein. Faut gratter avec la lame. Vous grattez avec une lame et vous faites ça. Et ça va, il n'y a pas de poids. Ça va. Pas déçu. Donc voilà les petits loups. Donc le petit loup, voilà. Moi je vais ranger un peu tout ça là. Parce que j'essaye de faire tout en même temps. Donc le petit loup, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Bye bye les petits loups. Bah essayez à 5 euros combien? 5,90 €? 99? Voilà. S'il ne mange pas de pain, mais je peux vous dire que pour moi ça vaut le coup, ça fonctionne. J'ai essayé dans mes pieds là. Voilà le petit loup, je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.